Et bonsoir, on se retrouve pour le retour sur Final Fantasy XIV. Alors, la dernière fois, on s'est arrêté juste ici, j'avais pas pris la quête, on va aller la chercher, on va reprendre l'histoire plus doucement. On va vraiment se remettre dans un live assez tranquille, assez chill même, comme d'habitude. Hein. Alors ici. ええ、目の当たりにしてきたわ。光の反乱から逃れたのはわずかな血。そこに生きる人々は 罪悔いの脅威にさらされ続けている。ああ、あれらを退けるのは途方もない話にも聞こえるだろう。だが、人は多くの犠牲を払った結果、一つの可能性を見出すに至った。罪悔いたちの集団を束ねる上位の個体 大罪悔いの数は限られていると分かったのだ。アリが女王を亡くして巣を作り得ないように、大罪悔いさえ倒してしまえば有象無象のものは一体での活動を諦めるだろう。しかし罪悔いの討伐をユールモアが許すだろうか。 ドンバウスリーは罪悔いを操れることを最大の武器にして統治体制を築いている。そこに罪悔いを倒して回る者が現れれば、最悪敵対もしてくるだろう。その通り。つまり場合によってはユールモアを牽制しつつ、 それでは少しだけ時間を拝借して、世界の統合や霊災とはいかなるものか説明するとしよう。太古の昔、たった一つだった世界は 14の世界に分かたれた。あなた方のいた原初世界、そして第一世界を含む 13の共造世界だ。これらの世界は隔たれているものの、互いに干渉し合っている。特に大元である原初世界とは。 ここである共造世界にて、特定の属性の力が異様に高まった年を、すると水が高いところから低いところに流れるように高まった属性の力が原初世界に流れ込み始める。当然原初世界にも影響が出るだろう。それが火属性ならば大火や日照りに、氷属性なら過酷な寒波に、
という具合だ。異常はどんどん起きやすくなり、何かのきっかけで大規模な災害が発生。世界を隔てる壁に割れ目が生じたとしたら、原初世界に向けた力の本流が発生。その勢いで世界は統合される。同時に共存世界が有していた偏った属性が全て流れ込み、きっかけとなった災害を一気に助長する。地震に土属性の力が加われば、それは地殻さえも砕くだろう。津波に水属性ならば、大陸すら飲み込む規模になる。それが霊災と呼ばれているものの正体だ。これまでに7つの霊災を伴いながら7つの共存世界が統合されてきた。今光に偏っている第一世界もまた、統合の条件を満たす可能性が限りなく高いと言えるだろう。そして光に偏る一因を担っているのが、やはり罪悔いだ。先ほど話した大罪悔いは、自らのテリトリーに強い光を振りまく。光の氾濫自体を回避したはずのノルブランドが、夜を失うほど光で満たされているのも、それが原因だ。したがって、大罪悔いの討伐は、第一世界の属性バランスを正常に戻し、統合を防ぐためにも必要不可欠なんだ。私たちはこの話を前に聞いてね、それぞれのやり方で準備を進めていたんだけど。具体的な成果はまだ。大罪悔いはなかなか姿を現さないというのもあるが、ことにある特性によって君の到来を待つしかなかったんだ。お話中失礼いたします。水晶湖緊急事態発生です。ホルミンスターの地が罪悔いに襲撃されているとの報告あり、敵はかなりの数らしく、村が全滅する恐れもあると。ホルミンスターを襲った罪悔いがクリスタリウムに流れてくる可能性もある。各も警戒態勢を取るように命じてくれ。お前自身は現場の指示を頼む。ただし突入は私が行ってからだと、アルフィノとアリゼーにも伝えてくれ。はっ。どうかあなたの力も貸してほしい。話の続きは、あるいはこの戦いで、おのずと知れよう。
Et bonsoir à toi, King Battle. J'espère que tu vas bien. Alors, déjà par mon sort par là. Bon, très bien. Très bien, très bien. La semaine passée, c'était assez chaotique. Puis ben voilà, cette semaine, tout va bien. Donc j'en profite de reprendre, on va dire, de ce bon petit moment pour reprendre les streams. Parce que la semaine passée, c'était assez... on va dire assez serré dans le timing. On est toujours en travaux. Bon, ça avance, hein, c'est bientôt terminé. Mais voilà quoi, j'arrive à recaser. Parce que la semaine dernière, j'avais pas pu caser. Hein. J'ai terminé. Il y a un moment, on est rentré, il était 11h au soir. Au matin, à 6h debout. On a tout recharger la voiture et de repartir. Alors. Près de la porte des fidèles. Mission, tu vas bien. Ah oui, c'était vraiment la course, quoi. Et c'est toujours dans des moments comme ça que tu te rends compte qu'il te manque toujours quelque chose et c'est cette chose dont tu as besoin. Mais bon, on commence à en voir le bout, donc c'est tout. Bonsoir Morden. Bah ça va très bien et toi, c'est vrai que ça faisait un petit moment. Ton tank sera dispo tout à l'heure. Ok, pas de problème. Ah oui, directement comme ça maintenant. On va faire sélection automatique. On va voir où ça va nous amener. Pas de problème. De toute manière, la serpillière est disponible toute la soirée. Il faut le savoir. Par contre, ça fait bizarre de revenir sur le jeu une semaine après. Hein. Tant voilà, ça fait qu'une semaine, quoi. Ça fait quand même bizarre de repasser du gameplay PS4, enfin Switch au PS4, parce que du fait, la semaine dernière, voilà, comme j'avais pas vraiment accès à la console, j'ai pris la Switch et je me suis refait toutes des parties de Puyo Puyo, quoi. Donc c'est vrai, Puyo Puyo par rapport à FF, c'est pas la même chose. Hein. Bon, pour pas changer en aggro toute la zone. Le balai de sorcière. T'as changé ton perso? Attends, attends, faut que je vois ça. Quand même. Oh, elle est toute mignonne. Oh, elle fait des tours de magie. C'est marrant. Ça, c'est le balai du kiosque Mox, ça, non? T'es encore passé par là, hein? Ça ne se fait pas. Bonsoir à toi, elle va dire. Juste la couleur des cheveux. Ok. T'as pas honte? Je m'absente une semaine et tu craques. Ça se fait pas. C'est pas bien, tu sais. Mais bon, on va soigner ça, hein. Je te le promets. Tu veux que je t'ajoute dans l'équipe? À moins que t'as quelque chose à faire à côté. Je fais mes missions aléatoires. Ok. Pas de soucis. En fin de stream, je verrai pour faire les roulettes aussi, du fait. Là, on va continuer un petit peu l'épopée. Mais ça fait tellement plaisir de revoir tout le monde. Eh, sympa! Oh, j'adore.
Bon, un petit peu creepy, mais... mais ça va, bon, il fait le taf, hein. Tant que t'es pas sur le sol, ça va. Hein. Alors, ça doit être par là. Et il vole en plus. Et il va très vite. C'est pas possible, t'as le bonus de vitesse. Alors... le chemin. Bon, peut-être niveau 72 pour ce soir, ce serait bien. Par là. Et si on coupe, on va couper. Ok. Vous ne m'avez pas vu. Je suis invisible. On aggro toute la zone. Ça, on ne change pas les choses. Hein. C'est le temps qui change ? Non. Quand même pas. Alors... c'est juste au-dessus. C'est juste ici. Ah. Bah ça pose dur hein, ici, franchement. Voilà. Hein. Ouais. Faut que je reprenne mes marques. Hein. Ah oui, parce que j'ai pas fait la petite emote en début de stream.
Alors, le système de mission donjon est complètement changé ? Non. Bah, d'un côté, c'est bien, ça évite d'attendre 300 ans pour que ça tague. Mais bon. Oui, le légendaire Lalafell qui envahit la pièce. Avec un joli chant. On ne change pas les habitudes. Hein. Après, je sais pas si c'est moi ou... Bon, c'est sûrement moi, hein. Mais j'ai l'impression que l'affichage est rétréci. Bon, ça doit être dans la tête, hein. Je voyais l'affichage plus grand. C'est dans la tête, oui. Non, parce que en fait, en haut à gauche, là, ici... Je pensais que c'était beaucoup plus grand. Enfin, un peu plus grand, quoi. Pas non plus énorme, quoi. Bon, c'est sûrement dans ma tête, hein. Ça doit être toi, je pense. Ouais, c'est sûrement moi. Ça fait longtemps, quand même, que j'ai pas touché au jeu, hein. Même en off ou quoi que ce soit, hein. J'ai pas du tout joué, quoi. Et ça m'a manqué. Ça m'a beaucoup manqué. Alors, hop.
Il est tout petit, oui. Ah, je vais l'agrandir. Trop mignon. Par contre, j'aime pas y avoir de plumes. Enfin, il y a des poils, il y a des plumes, c'est chiant. En fait que ça me fait enfin que ça me paraît petit, c'est peut-être parce que le log en fait c'est petit. C'est con hein, mais bon. Jouer quand on est loin, ça va. Faut pas charrier non plus. Voilà.
Merci, c'est gratuit. Quoi. Bah, il était pas mal. Ah mais il y en a beaucoup là. Après, je vais pas me faire niveau X.
peux utiliser. Alors, c'est quand même mal. La chance en déplacement. Allez. On a eu. Ça doit être bon. Alors, le prochain. Il est quand même gros. Hein. Enfin, il y en a surtout un gros.
il a l'air d'être un tout petit peu vénère. Hein. Mais vraiment un tout petit peu. Hein. Alors. En plus, il est moche, quoi. Mais moi, j'y vais frapper fort. Non mais je fais rien, c'est moi qui prends, c'est moi qui prends. C'est pas possible, c'est honteux. Ça se passe un peu trop bien.
Il était vraiment moche, hein, pour le coup. Alors, ça, j'ai pas besoin. Un peu. Voilà. Yeah. まずい、大罪杭から光の放出が始まりました。あれは浴びるわけにはいきません。水晶湖、やはり撤退を。いいや、撤退は不要だ。確かに大罪杭を殺せば有していた膨大な光が放出される。その光は新たな大罪杭を生み出し、人類はこの 100年 まともに反撃すらできなかった。しかし、唯一それを相殺できる力がある。それこそが光の加護と呼ばれし力。故に私は彼女をここへと呼んだのだ。 暗き海、闇の戦士が現れたんだ。なんて美しい。これは一体。
夜空さ、本当のあるべき闇が戻ったんだ。あなたたちは何者なんですか。大罪悔を倒し、その光を受けても平気だなんて。それにこの空、まるで伝承の。水晶湖。彼方の英雄よ、私は長い長い年月待ち続けていた。光の加護を持ち、罪悔を打ち滅ぼすことのできるあなたのこと。今あなたによってレイクランドに座した大罪悔が打たれ、この地にあるべき闇が戻り、正しき夜が訪れた。力なき罪悔はもはや闇の戻りし、この地に根を下ろすことはできないだろう。しかし取り戻せたのはおそらくこの一体のみ。各地にはまだ大罪悔が潜む。光で覆った空のもと、生命を食い尽くさんとしている。私はこの滅びの定めに反逆したいんだ。最大にして最後の抗いを。それがそちらの世界を救うことにつながるとしても、あなた方を強引に呼んだことは私の身勝手に他ならない。この非礼はいずれ必ず私の力、命を懸けて償おう。だから今は、私たちに力を。罪悔を倒し、世界に闇を取り戻してほしい。それにしても、あなたどうしてそこまでして戦うの？私たちを呼ぶのにだってすごく苦労したでしょうね。もちろん、この地に生きる人々のため、クリスタリウムの民に平和な明日をもたらすためだ。それは否定しないけど、あなたがクリスタルタワーを呼んだ時にはまだ町はなかったのよね。だから最初のきっかけは何だったのかっていう話よ。救われてほしい人がいるのだ。その人の未来をつなげるならば、私は世界一つ救ってみせる。意外だろうか。だがこれ以上の追求は今は許してくれると嬉しい。私はこれでいて結構な老人なのだ。己を語る言葉の一つ一つがどうにも膨らみすぎていて胸に使えてしまう。分かったわ。無理に聞こうとしてごめんなさい。私たちも引き続き一緒に戦うよ。
遠くで待っている人たちのためにも必ず罪悔いを倒そう。それでは保護した村人たちを連れて戻るとしよう。Ça fait du bien de revoir la nuit, hein. Je vais me faire la roulette épopée. bien joué, ben merci à tout le monde. Tout le monde a bien géré. Que la guerrière des ténèbres soit. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, c'était vraiment sympa. Même le donjon, il était top. Bon, j'ai serpillé, hein. C'est la tradition. Alors. Qu'as-tu à me dire maintenant?
Alors... Alors, retournons à Crystallium. Juste avant, je veux juste voir le système de... du log. Est-ce que c'est là ? Paramètres d'affichage. Tu peux tirer sur le bord en haut à droite. Ah oui, directement, c'est vrai, il y a les petits signes. Allez, vas-y, fais-le. Fais ton taf. Ah, le truc au pavé tactile, franchement, c'est la pire chose. Paramètres fenêtre du log. Ça ira beaucoup plus vite. Hein. Alors. Non, on veut la taille. Le truc sur PS4, franchement, c'est un... Voilà, je vais rien dire. Alors. Police de saisie, ça, je m'en fous. Couleur du log, encore moins. Le log. La taille de la police, on s'en fout. Transparence, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Moi c'est agrandir. Tu sais ce que ça veut dire agrandir? Ça veut dire que tu cliques là et tu avances. C'est pas possible. Je vais le taper. Ouais, hop, allez, agrandis. Là, ça appuie sur L2 en agrandissant le log. Tu penses que ça pourrait passer? Chatelade extrême. R1, R3. Alors. Ensuite. Alors, L2. Je suis bien dessus. Non. Non, il veut pas. Ah, voilà. Ça c'est bien. 25 minutes plus tard, elle comprend comment fonctionne le log. C'est incroyable, mettre comme ça. Voilà, enfin. Il est plus grand. C'est galère. Ah, c'est sûr. En tout cas, merci pour le... pour l'astuce. C'est plus du sadique en fait. Je crois. Bon, le principal, voilà, c'est qu'on est réussi, hein. Par contre, je vais essayer de pas le faire disparaître. Parce que la dernière fois, en faisant une grosse bêtise, j'ai réussi à le faire disparaître. Hop, on peut repartir. Mais maman, j'ai réussi quelque chose. Et pour le taler. En bas à droite de ton écran, tu passes en mode souris. Ok. Antilopi. C'est juste que là, c'est pas safe. Je préfère faire ça en ville. Et sur, par exemple, général, je peux bouger la fenêtre. Ok. Mais à vrai dire, dans les enceaux comme ça, j'ose pas trop toucher. Mais bon, là, besoin. C'est vital. Ah, c'est la pète avec sa voiture. Oh là là. Fais attention, une priorité. Fais attention. Après, j'irai voir la fenêtre du log.
harmoniser avec une autre, que je vais le faire tout de suite. Si je peux. Est-ce qu'il est clair si je mange chaque log? Boum! Ça fait tellement plaisir de pouvoir lire enfin quelque chose correctement. C'est vrai que depuis le début c'était chiant. Voilà. J'ai une lettre à récupérer de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qui. Oh, c'est gentil. C'est gentil, Juan. Il a pensé à moi. C'est gentil. Je l'avais pas jusqu'à présent. Ah oui, c'est moi. Non, mais c'est super sympa. Oh là là. Je suis quand même gâtée. Mais en fait, là, elle nous sort toutes des montures qu'elle a dû looter dans les donjons. Genre, peut-être Alexander, celui-là, non? Dans les raids sadiques. Tu sais, les raids, là, on n'a même pas fait 5 secondes. Par contre, il est bleu, celui-là. Alors, on redescend. Et ils volent aussi, bien sûr. Là, par contre, il va falloir que je me prévoie une session pour débloquer tous les vents éthérés. Hein. Parce que je veux aussi voler, moi, dans la vie. Hein. Aïe, ouch, ça fait mal. Mais tu es très bien, Pierre. Non, non, je veux voler. Je vois des petites ailes qui me poussent dans le dos. À pied, c'est bien, mais bon, voilà quoi. Depuis Stormblood, je suis à pied. Hein. Heureusement que t'étais là pour certains, pour accéder à certains endroits. Hein. Même Rohan. Hein. Parce que sinon, bah voilà quoi. Bonjour les détours. Ensuite, c'est dans des moments comme ça que je vois très bien que je suis l'assistée de service. Ça se fait vraiment pas. Je suis qu'une petite assistée. Alors, on va essayer de ne pas se perdre. Hein. C'est par ici, normalement. Ouais, faut monter en hauteur. Oui, monter en hauteur. Super. Tu vas pas monter en bas. C'est d'une logique incroyable. Ah non, non, pas, c'est juste là. Bon, ça va.
On parlait, c'est fait. Ensuite. Thank you.
Ok, donc là c'est l'arrivée des quêtes de rôle. Hein. C'est con, moi si j'aurais été soigné, j'aurais pu aider. Là je la livre une notoire. Ça aurait été sympa. Les gens en costume de grenouille, bordel, pourquoi ça existe? Un peu comme ceux qui sont le costume de Mog. Je me demande pourquoi ça existe. En fait, ça sert à rien, hein, mais bon. C'est bien. Alors. C'est moche en plus. Oh là là. Et ça existe? Il y a vraiment des gens qui mettent ça? Ah, le respect est bien mort. Ça, c'est pour le truc. Ça, c'est pour le truc magique. Je vais d'abord aller parler avec l'intendant. Et on verra après. Chaque chose en son temps. Hein. Ça gâche mon immersion. Pauvre de toi.今度はお前たちが闇の戦士か。皮肉なもんだな。先に宣言はしておいたからな。コルシア島やアムアレンデのことも大罪食い討伐だって見ていたさ。 あの白い双子、確か原初世界で俺と戦った時にもいたな。あいつらとはもう組んで長いのか。そうか。だとしたらしっかり守っておくんだな。 誰かを救おうと突き進むほど自分にとって大事な何かを失うものだ。お前だって散々そういう経験をしただろう。今回は何を失うやらだ。 俺はいつ嘆くことすら諦めたんだっけな。 これが本当の夜空。会いに行かなくちゃ。そうすればきっと。
緊急配備、侵入者を探せ。 そこまでだ。その者は我が同志、帝国の兵ではない。なぜ我らの潜入が気取られたのかと思ったが、まさか他に侵入者がいたとはな。 その鎧と槍さばき、先日かの英雄を戦場から救い出した竜騎士エスティニアンと見受けるが。なるほど、大層な情報通だ。元軍団長ともなればどこにでもつてがあるらしい。 そうだろう、ガイウス・バエサル、いや影の狩人と名乗っているんだったか。おお、それを知るとなると、やはり暁と通じているか。こちらが望んだわけじゃないよな。居場所をつかまれて 事情を押し付けられたのさ。あの受付嬢はどこかのスパイでもやっていたのか。クルルとかいう女も、どうして一度や二度見ただけで俺のエーテルを追跡できる。外の者を頼っているのは あの証人らが未だ目覚めていない証。彼女は、この英雄はどうしている。さてね、出張中だそうだ。それで俺が帝国の新兵器潰しに駆り出されているってわけさ。新兵器、黒バラのことであれば我らの同志が今しがた覇気に成功したところだ。ただしここも精製工場の一つにすぎん。こたびは随分と警戒して以前よりも多くの場所で増産を進めているらしい。惜しがたいことだ。 あのような死の兵器でもたらす勝利に一体どれほどの価値がある。実際どんな兵器なんだ、その黒バラってのは。その聞きようから毒と呼んでいるが、あれの本質は魔法に近い。 あらゆる生物が有する生命エネルギー、エーテル。黒バラはその循環を強制的に停止させるのだ。ごく少量でも吸い込めば体の活動が停滞、毒に侵された、かのように汚れを溜め込み死に至る。都市に散布すれば 一切の破壊を経ることなく住人の全てを抹殺できよう。まだ見つからないのか。応援を呼べ、今すぐに。話す時間はもうなさそうだ。竜騎士エスティニアンよ、これもまたあの少年が導いた縁として
一度だけ尊しよう。我らは共に真実を追い求める。しばし手を組まぬか。 俺と組んで祖国に殴り込みでもかける気か。 何でもアシエンに作られた国だったと皇帝陛下御自らのたまったらしいじゃないか。その件については我も聞き及んでいる。開戦前の会談場でバリス陛下がそうおっしゃったとな。故にこそ全ての真相を知るために赴かねばならんのだ。 Là, je vais devoir faire les quêtes de Jazz. Ah non, niveau 72. Ok. Bon, bah, on va lancer des donjons. Hein. Je vais rester là. Ouais, si je l'avais lu. Alors, outil de mission. On va faire un petit gain de niveau. Ce serait bien. Bah oui, si tu veux. Je vais quitter, je vais relancer. Hop. Je t'invite, hein. Hop, puis je vais lancer. Mission, game. Game niveau. On va réussir. Hein. Voilà. Je suis en roulette épopée. Ah, t'es en train de taper du garde maldé alors. Ou autre épopée. Non, ça c'est le truc vrai d'histoire. Ah, épopée, ça peut être. Ah, ok. Ah, tu t'ennuies pas donc. Avec l'ultime arme. Ah ouais, c'est le genre de raid boss. Les bonnes scènes qu'on peut pas skip. Non mais en plus c'est ça quoi. L'épopée quoi, c'est dommage qu'on peut pas skip les scènes. Hein. Cinématique, j'ai le temps. Hein. Ok, je peux pas terminer ma danse, c'est pas grave.
oublié donc je vais écouter. Mais après c'est chiant parce qu'on retombe toujours aussi sur la même mission. Sur le stream que j'ai vu Naël, chaque fois qu'il lançait une mission épopée, voilà quoi. Il s'amusait bien. Il a lancé trois fois une mission épopée et trois fois qu'il est tombé sur la même. Le mec est ultra chanceux. Alors ici, là j'ai plus de souvenirs comment on bat, ça va être beau. Il y a moyen de faire quelque chose de correct. Hein. On en parle plus.
Ouais, suivant. Ça me fait trop penser à une zone de Monster Hunter. Ça donne à fond que Behemoth. Enfin, c'est pas vraiment la même, hein. Il y a quelques petites ressemblances. Quand même.
ouais, on peut pas se soumettre. Une riche commune, deux donjons, deux morts. Franchement, je suis honneur à mon vent de serpillère. Hein. Alors. Ça, on s'en fout, ça, on peut passer. Ça, on peut passer, sinon, on n'en a pas besoin. Serpillage réussi. Ah oui, oui. Franchement, il devrait y avoir un au fait serpillage extrême. Être mort au moins une fois à chaque donjon. Ça, je l'ai d'office. Hein. Il faut le dire. Hein. Oh, pour certains donjons, c'est pas compliqué. Hein. Ben, c'est un peu comme sur le jeu sur le MPR6 que je suis en train de faire en ce moment. Il y a deux trophées où il faut en fait mourir, il me semble, c'est 10 fois et 50 fois. Bizarrement, sur ce jeu-là, je le maîtrise plutôt bien, donc les game over, c'est assez rare. Mais ça, c'est très bien d'avoir des petits trophées comme ça. En plus, ces deux trophées donnent pas mal de stats sur les persos. Donc je me dis que serpiller, c'est pas non plus négatif. Ça peut apporter du bonheur. Aujourd'hui, là, je le sens pas. Enfin, là, au hiverne, là, pas du tout. Bonsoir Destreux, j'espère que tu vas bien. Alors. Oh mais lui il fait mal quoi. On peut partir. Mettre fin au donjon. Une demande à Yoshi pour le haut. Bah oui, ou bien même un rang spécial, tu vois, juste pour l'équipe. Ah, je suis sûre, en voyant mes exploits, il ne pourra que accepter, hein. C'est pas donné à tout le monde hein, de mourir comme ça. Hein. L'art de Wild est sur un primo normal parce que les healers sont dead. Sur quel primo? Titania normal. Ah oui, ça c'est un des derniers. Enfin, non, c'est un primo de Shadowbringer, pas un des derniers primos. Même en mode normal, ça commence à wipe. Eh ben, je suis pas pressé d'y arriver. Hein.
Sawai peut être une phase chiante. Ça a acheté l'imote feindre la mort. Non. J'ai craqué. C'est la seule phase fluide où il faut du gros DPS sa mère. Ah ok. Ah, le mois prochain, je vais craquer aussi pour des emotes. Y'a pas. Quoique, il y a un moment, Mordom m'a bien dit, enfin m'avait bien dit que ce n'était pas grave que je l'achète puisque je la fais naturellement cette fois. Donc pourquoi pas, hein, mais... j'aimerais bien l'avoir quand même. Mon premier seul achat. Là. Ah ouais, c'est mon seul achat sur le casque-là. Et puis après la sortie du bruit, le temps de chercher de l'eau, mais que ça. Oh mince. Moi j'ai déjà craqué pour une dizaine d'objets hein, sur le casque mobile. Autant j'essaye de pas trop acheter sur le HDV, mais par contre au niveau mog. Qu'est-ce que Mog, ça y va. Hein. Je vais redémarrer de force. C'est juste, je pousse une dose qui avait plus. Ah, c'est ce que non. Niveau console, il n'y a pas vraiment de freeze. Le seul freeze que je crains à chaque fois, c'est lorsqu'on se connecte au jeu, quoi, avec les temps de chargement. Des fois, ils sont infinis. Allez, ça, pourquoi? Je vais lire le chat à côté. Que je viens aussi piller. Alors, et on me dit si tu connais la strat, tu peux heal, sauf que j'ai pas les compétences pour bien heal. Je vais honorer si je peux, si j'ai le temps. J'ai un érudit peut-être, mais il faut que je connaisse ces mécaniques. C'est en connaissant les mécaniques que je suis devenu très bon avocateur. Mais bon, j'ai créé un perso sur le data center KO, vu que toutes les personnes que je suis sont sur ce data center.
Oui, le truc c'est... Ça y est, forcément, tu mets un rôle, tu le connais par cœur. Ça, j'ai jamais compris le truc de penser là. Ah, c'est bon, je vais pouvoir continuer. C'est bien. Par exemple, tu vois, moi, je suis mage noir. Et je comprends à peine les mécaniques. Hein. Je suis pas non plus un mage noir d'exception. Peut-être la serpillière. Mais c'est vrai que les heals, franchement, ils s'en prennent plein la figure. Après, sur Louisois, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, en fait. Je trouve que la communauté, elle est vraiment bien. Parce que, en fait, j'ai un ami qui joue sur le serveur Cerberus. Et dans chaque donjon, c'est insulte à tout va. Hein. Il y en a un, à peine arrivé, il posait déjà ses conditions, quoi. C'est hallucinant. Bah, tu connais au moins les effets de tes sorts. Oui, à peu près. C'est-à-dire que, à force de les utiliser, je commence à comprendre. Le DPS du White Mage est abusé. Alors, ensuite... Attends, sur son stream, qu'est-ce qu'il avait dit, le gars ? Enfin, à la première personne qui meurt, ça y est, quoi, il quitte. Hors de question de perdre son temps. Ok, wow. Déjà, tu te calmes, tu te détends. Genre foudre d'autre. Oui, pour foudre, je l'ai appris que très récemment. Hein. C'est avec la sortie de Shadowbringer, je suis perdue avec le mage noir. Surtout avec la rota multicible. En fait, j'ai l'impression que la rota multicible, voilà, elle fait pas beaucoup de dégâts. Il y a des certains nombres comme ça. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est à peine arrivé en donjon, le gars pose ses conditions. J'ai pas de temps à perdre avec vous, quoi. Faudrait que je retrouve le clip. Moi, il me demande, t'as déjà eu ce genre de truc en donjon sur ton serveur? Bah non. Bien au contraire. いいところに来てくれた。 街で噂を聞いたかもしれないが、厄介な状況になっている。レイクランドの落山城だ。先ほどここにユールモア軍の飛空艇が飛来した。 彼らの目的は大罪杭討伐についての事情聴取らしい。まもなくこちらへ使者をよこすと連絡が届いている。これだけさっぱり空から光が払われてちゃ大罪杭を倒したってことを隠すのは無理ね。ああ、だから遅かれ早かれとは思っていたのだが。 将校、ユールモア軍からの使者を連れしました。ああ、少し待ってくれ。みんなこちらへ。 切り札はできるだけ隠しておくものだ。多少窮屈かもしれないが、許しておくれ。バニッシュ。
入ってくれ。驚いた。まさかユールモア軍の大将軍ランジート殿自らおいでとは。答えよ。大罪杭を殺したのはこの町の者か。いささか請求だな。なぜそれを問うのかくらい聞かせてはもらえないか。我が主ドンバウスリーは案じておられるのだ。知恵なき者の衝動的な戦いによって人と罪悔の関係が悪化することを。故に貴公の町が大罪杭を打った逆賊に組みしているのであれば、進軍も致し方なし。そう命じられている。そういうことであれば、こちらも率直に答えねばならないな。大罪杭を打った者との関係はともかくとして、私たちは取り戻した美しい空を歓迎している。もしお前たちがそれを許さぬというのなら進軍するがいい。ただし罪なきクリスタリウムの民が全て打ち果たされたとて、動き出した時代が止まりはしないだろう。愚かな。罪悔をいくら討伐したとて、争いは永劫に止まぬ。この世界はもはやムクロも同然よ。我が主のもと平和と喜びのうちに生を全うすることこそ唯一の安らぎに他ならぬ。しかし貴公の主張は承知した。ひとまずは我が主に伝えるとしよう。貴公も町の隅々まで伝えておくがいい。投降を望む者あらば急がれたしとな。それと最近この町に若き男の画家とその助手が来らんだか。さて心当たりはないか。もし流れ着いてきたならば引き渡せ。我が主が再会を熱望しておるでな。
ねえ、私たちの姿ちゃんと消えてたわよね。あいつ最後にこっちを睨まなかった。残念ながら気のせいではないだろうな。ユールモアは今でこそ罪食いとの融和政策を取っているが、バウスリーが元首になる前はむしろ罪食い討伐の先陣を切っていたんだ。ランジート将軍はその時代から最強と謳われたユールモア軍を仕切ってきた武人だ。何か勘が働いたのかもしれない。そんな人物が派兵されてくるということは、進軍の件も単なる脅しとは言い切れないか。水晶公、私たちの補佐をしてくれるのはありがたいが、クリスタリウムの民を巻き込むようなことは。お心遣い深く感謝する。だがそれについては私に一任してほしい。かねてより全土を支配せんとしているユールモアのこと、今闇の戦士を突き出したところでいくらでも理由をつけてこの町を抑えに来るだろう。それが分からぬクリスタリウムの民ではないよ。彼らはいかなる苦境においても誇りを持って生きてきた。こたびも選ぶべきを選ぶだろう。むしろユールモア軍の力とバウスリーの性格を思えば、この場で進軍を宣言されてもおかしくなかったが。あちらもしばし時間を稼ぎたかったのかもしれません。楽山城の監視をしていた者から報告がありました。ユールモア軍は到着後周辺を巡回、その際にある人物を捕らえたようです。その人物こそミンフィリア、ユールモアから脱走した光の巫女ではないかとのことです。先端を開く前に彼女をユールモアへ送還したい、そう考えたとすれば簡単に引き下がったのも納得です。ランジート将軍といえばミンフィリアたちの指南役としても有名ですしね。そうか、あなたはまずこちらのミンフィリアについて知っておくべきだろう。博物陳列館のモーレンを訪ね聞いてみるといい。アルフィノとアリゼにも同行を頼めるだろうか。何せ込み入った事情だ。二人からも補足をしてほしい。了解。と言っても私もまだ彼女のことは理解しきれてないんだけどね。私はその間に事の真相を調べておこう。それから今後の対策も。Maintenant, gel sert à quelque chose et degré de classe réduit le coût de brasier. Ah bah au moins, voilà, on a quand même trouvé une utilité à ce sort. C'est pas toi qui disais que tu voulais faire l'épopée Shadowbringer en VF. Je l'ai commencé en VF. Et en fin de compte, je crois à la fin du premier stream, on est repassé sur la version japonaise.
Je ne te dirai pas qui m'a influencé sur le chat. Je crois que tu as ta réponse. Du coup, je spam gel et brasier. On doit faire la troisième guerre mondiale entre la VO et la VF. Non, la VF, je la remettrai sûrement après l'épopée, juste pour faire des petites quêtes sans grande prétention. Alors. Et oui, j'ai dit que je balançais plus de noms. C'est fini. Mais elle est bien aussi, hein, la version japonaise. Il se semblait que j'avais gagné des trucs. Voilà. Ah oui, parce que ça se fait pas, franchement, de donner des noms. Ah bah oui, hein. Après, sinon, c'est toujours les mêmes qui vont se faire taper dessus. Pendant ce temps, je continue mon match blanc sur le serveur KO. Ah, bien. Ça, c'est bien, franchement, d'être sur notre serveur. C'est le meilleur serveur au monde. On ne peut pas mieux. Je dois encore monter longtemps, comme ça, ou... En plus, c'est même pas par ici que je vais aller. Yep. Oula, 50, 60, 70. Pas de soucis, tu peux lancer. Le temps que je me retrouve dans cette ville. Tout ça pour faire quoi? Juste un détour. C'est n'importe quoi. Ah bah j'arrive. Ah ok. J'ai pris le 10 voix parce que la flemme de choisir autre chose et aussi certains, je pouvais pas. Ben non, en fait, quand j'ai refait mon personnage là, l'année dernière, ça va bientôt faire un an que j'ai relancé le jeu, c'est bien. En fait, on devait être... Ah, je sais plus, il me semble que c'était sur Omega qu'on devait être. Enfin bref, sur un autre serveur, en fin de compte... Les persos, enfin deux persos sur trois ont été créés. La troisième personne n'a pas pu rejoindre le serveur là, puisque en fait, quand il a fait son personnage, ben voilà, le monde était à saturation, il ne pouvait plus accueillir plus personne. Donc on est parti sur un serveur qui était ouvert avec bonus d'XP, et c'était Louisoa, donc on est resté sur Louisoa. Ben, de mon côté, je suis resté sur Louisoa, après les autres ils sont partis sur d'autres serveurs. Alors. C'est pas ça. Non, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah. Ça va bien se mettre après. J'ai toujours mon perso sur Light quand même. Ah oui, ça aurait été dommage de... De ne plus avoir le perso, enfin de le supprimer quoi. Là c'est juste un personnage secondaire. Enfin que tu es en train de faire. Oh non, pas ça, j'aime pas. Celui qui est prêt pour le HL. Ça c'est bien. Amusant, on commence à avoir une bonne réputation.
Sans ça, elle est assez facile. Ah si, si, on enverra une petite demande à Satsura pour venir aussi. Hein. Il nous faut un Lala. Hein. Pense à ton frère, mince. Hein. Tu n'es pas enfant unique. C'est bien les Lala, hein. Ils n'ont pas que des défauts, hein. Ils ont beaucoup de qualités. Hein. Eh frère, tu vas arrêter de m'embêter. J'ai l'impression d'être la grosse victime de service. La musique est assez spéciale pour Titania. Ah. Là, tu vas piquer ma petite curiosité. Attendez, il y a un coffre. Quand même. Faut les faire les coffres, hein, quand même. Alors. Ça se retape dessus, là. Le plaisir, c'est quand tu es bas level et que t'as pas 4000 sorts. J'ai... Ah oui, c'était le paradis en ce temps-là. En fait, je crois que je suis restée bloquée en fait à ce stade-là niveau sort.
Ça a peu de sort à gérer. J'étais tranquille. Après, tu en as trop. En tant que mage blanc, on peut pas me faire. C'est vrai. En fait, mage blanc sur PS4, ça peut être bien, c'est juste le système de ciblage quoi, qui est à revoir. Mais moi, ça m'aurait vraiment plu de jouer un mage blanc. Juste histoire d'une pendule, quoi, mais bon, pour une bonne raison. Oui, le heal est très important, hein. Je suis pas contraire. Non, la plupart du temps, si tu termines un donjon, c'est parce que tu as un bon heal. Il y a quoi dedans? Moi j'en veux pas. Hop. En plus ça donne du boulot gratos. Surtout que les heals sont devenus assez rares. Ouais. C'est vrai que dans les donjons, quoi, pour essayer de trouver maintenant un heal en priorité, c'est assez dur. Oh, il pleut. Oh, ça c'est tout bon signe. Alors. Il faut aller où? Je peux pas accéder directement là. Moyen. Bon, c'est pas un moyen. Alors. De ses morts. Je vais descendre en dessous normalement. Je vais descendre pour voir. Peut-être c'était au-dessus. Ouais, c'est pas par ici. Hein. Faites une vie normale, s'il vous plaît. Je vais aller spam le donjon 79. Ok. Je reviens après. Pas de problème. Il n'y a pas d'autre délire à faire. Moi, de mon côté, je dois quand même en avoir. Hein. Alors, celle-là c'est fait. Le défi. Hop, je lance ça. Hein. Ok. Si, mais j'ai pas envie de dépenser mes roulettes pour des level impairs.
Bah ça a été vite. Ah, si je peux faire des donjons, je passerai direct la plupart du temps. Autant, même que tu lis maintenant, c'est presque instant. Hein, on disait oui, c'est, ce sont les tanks qui sont en voie de disparition. Maintenant, non, ce sont les heals. Bientôt, ça va être les DPS. Parce qu'à une certaine heure, il n'y a plus moyen de trouver un DPS. Oh non! 8 c'est mort. J'ai pas envie de là, clairement j'ai envie de rien faire dans cette. dans cette. Zéro, super zéro. Non, non, non. C'est pas super, c'est. Je sais que je lui ai manqué, mais quand même pas ce point-là. Bon, la première ça va, c'est la deuxième que je commence à m'user. Oh, je connaissais par cœur. Bon, je le sacrifie quand même. Et voilà, quoi, c'est pas non plus le meilleur. Oh, le secours. J'ai mal. Voilà, c'est à partir de là que je commence à perdre mes moyens. Et voilà. On va faire mal. C'est le temps de sortir la serpillière. Parfois, je demande pourquoi le monde est aussi cruel avec moi. C'est vrai que j'ai jamais de chance. Hein. Alors, bon, la conne comme ça, hein. J'ai réussi encore à serpiller gratuitement. Je me suis dit, c'est pas normal que tu perdes la vie aussi facilement. Bah, la prochaine fois, regarde ce que tu m'écris. Oui, je suis pas dans son forme à pour le faire. Bah, vous pouvez tomber sur pire, hein. On s'arrête là, c'est bon. Fini les conneries. Allez, tapez-moi, c'est gratuit. Comment ça veut dire, hein, ça vous donne ? Pas trop long. Alors.
Le fun commence. Ah oui, oui, l'amusement avec ça, c'est pas aussi. C'est vraiment le top du top. Hein. Là, c'est. Ça va, t'as circulé une fois. Tu peux circuler une deuxième fois, il paraît que c'est gratuit. Le soldat, franchement, il est chaud. Il est même très agréable. Hein. Faites très attention à vous. C'était un peu chaud, mais c'était bien. Oui, la serpille est de la serpille est de retour. Bien sûr. En fait, elle a toujours été là, hein. Parce que j'étais cachée. Je m'en fous, je ne prends aucun dégât. Ah ouais, je ne prends aucun dégât, c'est super. Je crois que t'es pas avec la meilleure personne. Oui, on dit un serpillage général, c'est un serpillage qui ne compte pas. C'est la règle. Et oui. Donc le serpillage pour le donjon, on peut se souligner puisqu'il y a eu un serpillage général. Donc ça ne compte pas. C'est du mini inconnu. Par contre, vous ne pouvez pas le mettre ailleurs. Ok, donc la même couleur que celle de mon dégât.
Ben, j'ai déjà eu le tour à peine réveillé, donc voilà, je ne touchais pas mieux. Notamment sur Nicole. Ça, franchement, c'est le meilleur exemple à donner. Mais ça, en général, non, quand je suis raide, je ne fais pas les dégâts. Après, voilà, tout est question de timing aussi. Yep, il y a une maintenance de 7h jusqu'à midi, donc je qu'il doit sortir à midi. Moi, ça sera juste après avoir bien avancé dans le jeu. Hop. Là, je crois que j'ai fini les instances. Non, j'essaye de me repérer dans cette ville. Bien trop grand dans mon goût. Alors. On me dit d'aller tout droit. Normalement, ça devrait être bon.
normalement. Non, parce que normalement c'est fermé. Ok. Tu vas me donner ça ? Je vais aller au téléporteur là. Peut-être redescendre d'un étage. Non, je pense pas qu'on puisse monter là. Non, il y a un mur invisible. Oh, pleure pas. C'est juste un mur invisible. Faut passer depuis le grand cristal pour l'éthérite. Ok. Genre on peut pas accéder par un chemin. Cette ville est une arnaque. C'est quoi, cabinet de curiosité. Bah ouais, merci. Goûter fait sur le grand cristal et dessin existé. Merci pour l'info. Il n'y avait pas moyen de faire plus simple. Oui, un chemin, mais après le TP. Ah, moi non, il y avait. Ah non, passant en bas, on pouvait. Ok, va trouver un livre. Alors. C'est pas toi qui viens de tomber par hasard? Comme une mouise. Je t'ai vu te cracher. Gênance. Ok. Je pensais que c'était ton double maléfique.
Alors, d'ailleurs, son associé sur le noir et moi le blanc en mage, je veux dire. Yep, toujours mage noir, bien que après je compte peut-être passer sur la danseuse. J'avais aimé son gameplay. D'ailleurs, vous avez besoin de quel métier niveau récolte, car je pense pas trop commencer les crafts. Mineur, botaniste ou Michel le pêcheur du sud avec l'accent marseillais. Bah, il nous faut un peu de tout. Mais vraiment. La danseuse est à ramasse niveau DPS. À ce point-là? Bien continuer, mon bard. Je verrai bien. Hier, pire DPS en ce moment. Ah, pourtant, à sa sortie, elle avait vraiment l'air. OP. Alors déjà que sur mon main, j'ai appelé métier d'un coup avec les mandats, car les mangas c'est aussi efficace que la glace sur le type dragon, ou encore mieux, aussi efficace que la foudre sur un léviator. C'est vrai que vu comme ça...
あなた方ほど実力があれば、ユールモア軍が相手であれ、ミンフィリアを救い出すことができるかもしれない。しかし、先ほども言っただろう。大切な切り札は、できるだけ隠しておきたいんだ。あなたが見せてくれたのは単なる夜空ではなかった。ノルブラントの未来、その一端だ。私たちの手は大罪悔をほふれない。だが希望が胸を焦がす限り、立ち上がって歩いていける。それを証明しよう。急に呼び立ててすまない。こたびは皆に問いたいことがある。知っている者もいるだろうが、先ほどユールモアの総代としてランジート将軍が私のもとを訪ねてきた。彼らは大罪悔を打った者。闇の戦士の行いにクリスタリウムが賛同するなら進軍も致し方なしと言った。ユールモアと真っ向から戦うのは容易なことではないだろう。それでも私は信じたい。100年ぶりに取り戻した空、それを見た時の気持ちを。無論己の立場は理解している。私がこの意思を示せば、もはや対立は避けられまい。それについてお前たちはどう思う？勝っておいででしょうに。俺たちもあの空を見たら、わけもなく泣けてきたんだ。闇の戦士の素性なんて知らずとも、あれは間違いなくノルブラントに取り戻すべき光景さ。ユールモアは未だに世界の中心だ。対立すれば生きにくくなることは間違いない。位置を預かる身から言わせてもらえば、流通の面で大きな制約を抱えることになる。だが、なーに、しばらくは耐えられる。この町はそういう風にできてるんだからね。それがクリスタリウムの誇りであり、この町ができた時にこうと誓った唯一の方針だったって代々伝え聞いてきたよ。時が来たらば立ち上がれ。あなたは最初にそうおっしゃったのでしょう。いずれはびこった悲しみが日常となり、誰もがそんな世界を受け入れるようになっても、この街は抗う心を忘れるな。そしてこの地に生きた人の歴史を未来へと届けるために踏み出せとね。そうでなくたってユールモアの連中は気に食わねえしな。
いつもいつもこっちの足元見た取引しやがってよ。お前、それを言っちゃ台無しだろ。ならば今、我らの意思を示そう。実は、落山城に駐留しているユールモア軍が光の巫女を捕らえたとの報告を受けている。罪食いと渡り合うことのできる彼女、ユールモアはおそらく再び監禁してしまうだろう。ならば、闇の戦士を支持し、罪食いを退けんとする我らは、光の巫女を救い出し、仲間に迎えるべきではないか。それをもって、ユールモアへの返答としよう。賛成！賛成！それにあたって策のあるものは。これで町ごと反逆者だ。あなた方も一員として加わるかい？まったくしたたかだな。あなたもあなたの町の民も。水晶校、まずはアマロを使ってレイクランドの空を制しては。彼らの移動手段は飛空艇、その出発を遅らせましょう。同時に工芸館で開発されたドリームパウダーを上空から振りまく。全員を眠らせられはしないでしょうが、戦力をそげましょう。そこに私たち衛兵団が乗り込んで巫女を救助します。わかった、その作戦で行こう。各自準備を進めてくれ。それで、反逆者の一員として私たちにも役目をくれるんでしょうね。とびっきりやりがいのあるやつを。では衛兵団に加わって行動を。詳しい指示はライナから受けてくれ。Et ben voilà, je vais couper le stream et je vais le relancer, hein. C'est juste pour la question de la VOD. Bon, je pense aller dormir réveillé depuis 4h du mat pour faire les trajets du nord vers le sud de la France. Ça fatigue la route toute la journée. Ok, oui. Donc ça, je te souhaite une bonne nuit, ou bien même une bonne soirée. Merci d'être passé. Je vais couper là et on revient, hein.